Ah, salut, bonjour, c'est une vidéo un peu spéciale. Déjà, je vous souhaite une meilleure année que la précédente. On va pas se mentir, 2020 c'était bien de la merde. Je pourrais faire un bilan de l'année 2020 et les projets en 2021, mais la dernière fois que je l'ai fait, ça s'est assez mal passé parce que j'ai sorti moins de vidéos que ce que je voulais. Et la crise du Covid-19 nous a pas aidé. Et en plus, il y a eu le déménagement. Pendant 6 mois, j'étais mort dans un camping-car. Donc, on va s'en tenir à « je vais faire des vidéos et si j'y arrive pas à en faire autant que je voudrais, ben, je ferai mieux l'année prochaine ». C'est en fait une vidéo un peu news, mais ça va aussi mettre en place certaines choses pour cette année. Alors, cette vidéo s'appelle « Salut ». Ce sera la première d'une longue série, j'espère. Et elle aura pour but de sortir tous les lundis à 18h. Donc tous les lundis à 18h, il y aura soit un salut, donc une vidéo news qui relatera un petit peu de l'avancée des épisodes de Sagaphonix et de SDU sur la chaîne. Ça ne sera qu'en rapport à la chaîne, bien sûr. Dans ces vidéos news, j'aborderai aussi un petit peu la précédente vidéo pour amener peut-être des corrections pour... dire des choses dessus ou je sais pas, des informations, ou même lire vos commentaires si jamais l'occasion se présente. Donc laissez-en s'il vous plaît. Déjà, pourquoi des vidéos news? Tout simplement parce que je n'aime pas Insta et je n'aime pas TikTok, et je suis très peu sur Facebook et Twitter, et très peu de gens, enfin, vous êtes très peu à me suivre là-dessus. Donc du coup, plutôt que de faire des vidéos sur des plateformes ou des contenus sur des plateformes que je n'aime pas, et ben je me suis dit autant faire une vidéo par semaine de remplissage, on va dire, pour donner des nouvelles sur la chaîne. Un peu comme ce que fait AstronoGeek quand, par exemple, il répond à des questions de certains viewers ou quand il met une chaîne YouTube en avant. Donc voilà, ça permettra de flatter un peu l'algorithme de YouTube ou de le stimuler pour pas lui voler ses mots en fait. Comme ça, ça me permettra aussi de me motiver un peu plus pour déjà vous donner des nouvelles sur l'avancement des vidéos. Et en même temps, pour les sortir plus rapidement, et voilà. Comme ça, ça va mettre une certaine régularité cette année, on espère. Alors, qu'est-ce que je pourrais aborder encore comme point? Déjà, par rapport au précédent Sagaphonix, qui était sur Clyde Vanilla, deux choses. J'ai chié la sortie. En fait, j'ai uploadé une première version de la vidéo, et il fallait que je fasse encore quelques corrections dessus. Et j'ai réuploadé une autre version. Et puis finalement, j'avais dit que je voulais la programmer pour le lendemain, pour la sortir le lendemain. Et finalement, elle est sortie tout de suite. C'est pour ça que certains d'entre vous l'ont vue. Et après, elle n'était plus disponible. Et puis, elle était redisponible le lendemain. Donc ça a un peu chié la sortie. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la mise au point était complètement à chier dans la vidéo. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pour lancer la vidéo, il faut que je m'approche de la caméra. Sauf qu'en fait, le focus s'est fait sur le poster Kid Paddle. Donc du coup, en fait, je suis fou pendant toute la vidéo. Donc du coup, maintenant, j'ai une solution, c'est que je peux lancer avec la petite télécommande qui permet de faire des petits zooms comme ça. Donc comme ça, normalement, il n'y aura plus de problème de flou. Mais on n'est jamais à l'abri d'une connerie, donc on verra. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Donc je vous dis à la semaine prochaine, lundi 18h. Pour le prochain salut, ou Sagaphonix, ou Super Doubleur Ultimate. Voilà. Ah oui, le texte du prochain Sagaphonix, donc celui sur l'épopée temporelle, est quasi fini. Donc voilà, où j'en suis. Allez, salut !